Hi everyone, and welcome to another EC interview. We interview professional athletes so that they can inspire others with their stories. And here on our channel, they will share their own unique journeys. They will talk about the challenges that they faced, their dreams, their goals and objectives as professional athletes. And they will also give advice to all of you out there who wish to follow your dreams. We had the chance to meet with Leroy. He's 26 years old and a professional rugby player for rugby club Van in Pro D2 in France. So keep watching. Because you don't want to miss it. Donc Leroy, bonjour à toi. Merci à toi d'être venu et d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. Tout le monde ne te connaît peut-être pas. Du coup, est-ce que tu peux parler un peu de toi, dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Je suis Leroy Klosterman. Voilà, je suis franco-ghanéen. J'ai 26 ans et je suis joueur professionnel au rugby club de Vannes. Pourquoi as-tu commencé le rugby et à quel âge? Alors, pourquoi j'ai commencé le rugby, c'est un peu par hasard. À la base, j'aimais pas du tout ce sport, je le trouvais pas intéressant. Et y a un ami de mes parents qui m'a dit « Vu le physique que t'as, tu devrais quand même essayer. » Je lui ai dit « Bon, ok, d'accord, on verra. » Il m'a emmené voir un match de rugby. Je me suis dit « Finalement, c'est pas mal. » Et j'ai essayé. C'était vers l'âge de 12-13 ans. Et depuis, maintenant, le comble, c'est que j'arrive à en vivre quoi, de ce sport. Tu faisais un peu d'autres sports avant ou... Ouais, je faisais du BMX. Voilà, du bicross et tout. Bon, c'était cool, mais je pense que j'étais pas assez casse-cou pour vraiment bien progresser. Ouais, c'est ça. Et du coup, une fois que tu as commencé le rugby, après le BMX, c'était terminé? Ouais, ça me plaisait tellement qu'au final, j'ai tout laissé, tous les trucs à côté. Et puis, j'avais assez d'entraînement et j'avais pas besoin de faire autre chose, quoi. D'accord. Et quand tu as commencé, est-ce que tu avais déjà l'intention de devenir professionnel un jour ou c'était vraiment plus vague, c'était vraiment juste pour commencer? Non, c'était... je m'étais fixé l'objectif plus tard quand même, pas quand j'avais commencé de me dire, j'aimerais bien jouer en fin de carrière, en Pro D2 pour découvrir au niveau professionnel. Mais jamais, je m'étais dit, oui, je serai professionnel au rugby, c'est sûr, je vais y aller. C'est venu petit à petit, quand tu découvres un peu les filières de haut niveau jeune, tu te dis, ah tiens, ce boulot a l'air pas mal. Et puis tu rencontres quelques personnes, tu vois un peu les centres de formation, tes copains qui évoluent dans d'autres clubs. Et c'est vraiment là où j'y ai pensé, quoi. Donc ça fait un moment que tu fais de la compétition maintenant, depuis 12 ans, comme tu dis. Donc tu as toujours joué à Vannes, c'est ça? Pur produit Vannetais. Ouais, c'est ça. Donc qu'est-ce que ça a fait en fait d'avoir commencé comme amateur et depuis tout petit dans son club formateur et maintenant d'être professionnel? C'est une sensation vraiment, je pense pas qu'elle soit personnelle, mais c'est une sensation glorifique, on va dire. On se dit j'ai vu l'évolution du club, je vois ma propre évolution et c'est magnifique. Tu t'intègres l'équipe senior et tu es en niveau amateur. Et tu fais partie de l'équipe qui fait monter ce club et tu es encore dans cette équipe qui fait pérenniser le club en niveau professionnel. Et là, cette année, on a eu des résultats, on a eu de très très beaux résultats. Et c'est de la fierté quand même. Ouais, c'est de la fierté. Ouais, voilà. C'est sûr que les amis autour, la famille, maintenant tout le monde un peu te connaît sur Vannes. Donc, c'est vrai. Une certaine fierté. Ouais, c'est vrai, c'est une certaine fierté. Ouais. Les amis peuvent être là à chaque match à domicile, les parents aussi, je suppose. Donc, Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de retours d'amis qui faisaient du foot et qui sont venus, je pense, voir un match parce que je jouais et qui maintenant adorent le rugby. Quoi. Ils me disent c'est trop bien, on pensait pas que c'était vraiment autant prenant. Et c'est vrai. C'est de la fierté. On se dit. J'arrive à contribuer à ça, quoi. Comme tu l'as dit, vous avez fait une très belle saison. Le stade de la Rabine était plein à craquer. Ça devait être aussi quelque chose... C'était quelque chose de très fort. Alors, moi, je l'ai vécu un peu d'une autre façon parce que sur les trois derniers matchs de la saison, j'ai pas joué. Du coup, je l'ai un peu vécu différemment. Mais... En même temps, vu que je l'ai vécu en externe, j'ai vu en fait l'engouement et la ferveur dans la ville, dans le stade et après les matchs.
C'était vraiment énorme, quoi. Les gens parlaient que de ça, que de ça, que de ça. Oui. Ils attendaient que ça, quoi. C'était le rendez-vous du week-end. Ils réservaient les places. Enfin, ils ouvraient la boutique ouvrait ses. C'était l'ouverture des billets. Ça partait en même pas une heure. Tout le monde se ruait sur les places, quoi. Je l'ai vécu d'une autre façon, mais c'était pas mal aussi en final. Après cette saison, quels sont tes objectifs? Déjà, restes-tu à Vannes la saison prochaine? Ouais, j'étais encore lié à Vannes pendant un an. Donc ça va être très clair, hein, mes objectifs l'année prochaine, c'est jouer plus, quoi. J'ai joué pas mal de matchs, j'en ai joué 21, mais que 3 fois titulaire. Et l'année prochaine, je vais essayer de jouer autant de matchs, mais avec plus de Ouais, du coup, titularisation et prendre plus de ta minutes. place peut-être Ouais, avoir une place, plus importante, on va c'est dire. ça, plus importante D'accord. dans l'équipe. Donc ça, c'est plus les objectifs à court terme, on va dire, qui vont venir très rapidement. Et sur le long terme, vu que maintenant, ça fait déjà 3 ans que tu es professionnel, est-ce que tu as déjà pensé à aller voir plus haut, à aller voir dans un autre pays, pourquoi pas l'équipe de France un jour? Ouais, j'ai pensé à voir plus haut, mais par contre, l'équipe de France, j'ai tiré une croix dessus parce que faire partie de la filière, enfin, au niveau depuis, je pense, très jeune. Et puis, à mon âge, à 26 ans, c'est plus maintenant. De toute façon, j'y ai jamais pensé. D'accord. Oui, maintenant, vu que je m'étais fixé l'objectif de jouer en Pro D2, là, j'y suis pour le moment. Objectif un peu moins. Ouais, pour le moment, l'objectif est acquis. Maintenant, c'est sûr, j'aimerais bien jouer en top 14. Après, une carrière, faut faire attention, ça va très vite dans les deux sens. Tu peux très vite progresser, comme tu peux stagner et aussi régresser. Donc, déjà, être un très bon joueur de Pro D2, ça serait déjà bien. Et pour après, voir s'il y a des possibilités en top 14. Et l'étranger, je ne dis pas non. Je dis pourquoi pas, si un jour ça ne marche plus en France. L'opportunité arrive, Ouais, mais l'opportunité arrive et bah, qui ne tente rien à rien, on sait jamais ouais, quoi. d'accord. Vu que maintenant tu as on va dire une petite carrière déjà qui a commencé depuis un moment, quel serait pour toi le meilleur moment, Le ou meilleur si tu en as moment, un ou plusieurs? c'est le meilleur et en même temps le plus triste, c'est la finale de championnat de France avec les juniors Ballandrade. D'accord. C'était pour moi, c'était l'aboutissement vraiment d'une saison, c'est trop beau quoi. Sauf qu'on perd la finale. Bon. Pour moi, on devait la gagner 100 000 fois, mais bref, on la perd. Mais ça, c'est vraiment un très très bon souvenir. Et après, il y a bien sûr la montée en La Pro D2, montée, quoi. ouais. Ah, ça a été, mais j'avais jamais vu ça, le stade aussi bouillant. Et à la fin, Les gens sont rentrés sur le terrain, c'est ouais, les ça, gens les rentrent sur le supporters. terrain. À 10 ou 15 minutes de la fin, ils scandaient on est en D2, on est en D2. C'était énorme. Déjà, rien que d'y repenser, ça met les frissons un peu parce que. C'était énorme, mais C'était un vraiment. beau souvenir. Ah ouais, c'est un très très beau souvenir. Et ça, je le garderai, mais toute ma C'est vie, quoi. merveilleux. Et j'en serais. Et je, même je, plus tard, je serais fier de dire, bah, je faisais partie de cette Ouais, équipe. d'accord. Voilà. Comme toutes les personnes et tout athlète, on a des challenges ou des obstacles qu'on peut croiser. Mais sauf que tu as continué à jouer le rugby, peu importe ce qui est arrivé. Est-ce que tu peux nous parler de un ou plusieurs qui t'ont marqué? Comment as-tu fait pour continuer en fait et se dire bon bah le rugby c'est bon, j'en ai marre. Il y a eu en jeune, je me rappelle, j'avais reçu des mots relativement forts de la part d'un entraîneur qui m'avait dit, mais t'es nul au rugby, tu triches avec toi-même, tu triches avec tout le monde. Ça, je me rappelle que ça m'avait marqué pendant très très longtemps. Et j'essaye souvent d'essayer de prouver aux gens qu'ils ont tort. Et quand j'y arrive, bah, j'en suis fier. Et bah, je me dis, au final, peut-être que grâce à lui, ça, enfin, j'ai vraiment. J'ai continué dans cette perspective, enfin dans cette façon de réfléchir, et là j'arrive à être professionnel. Ça m'avait marqué. Après aussi, quand on a des blessures, on se dit mince, est-ce que je vais bien revenir? Est-ce que je fais les bons trucs? On essaie toujours de revenir assez vite, mais des fois c'est pas toujours la bonne solution. Il y a 2 ans, je me suis fait une pubalgie. L'année dernière, en début d'année, ouais, c'est l'année dernière, en début d'année, je me fais une hernie. Et on se pose plusieurs questions. On se dit, mais est-ce qu'au final, on fait les choses bien? Est-ce que je suis vraiment fait pour ce sport au final? Parce que je me blesse. Enfin, je me blessais assez régulièrement avant. Et on se dit,
Bah, en fait, si je suis là, c'est que je le mérite. Et puis, bah, donne-toi à fond, soigne-toi bien. Et quand tu reviens, voilà, ce qui arrivera, arrivera. Et voilà, tu vois. Avec ces épreuves, tu penses avoir grandi et avoir Avoir. été plus fort mentalement, par exemple avec ce sentiment de revanche un peu vers après ce coach ou... Ouais, si, parce que au final, ça m'a prouvé que tout est possible. C'est pas parce qu'on dit que t'es nul que du coup t'es nul. Au final, bah, personnellement, faut que tu te persuades que c'est l'inverse. Et tu te dis, je reviendrai plus fort. Faut que je revienne plus fort. Et voilà. Et puis, je pense que j'ai aussi grandi sur la façon de voir les choses. Il n'y a pas que des fatalités, en fait. Et faut le voir plus du côté positif que du côté Ouais, c'est négatif. Alors qu'avant, j'étais plus du genre à me dire c'est ma faute, oui, c'est vrai, il a raison, je suis nul. Faut voir le beaucoup côté de ça, positif. Ouais, voilà, c'est ça. Faut voir le côté positif. Quand on est sportif de haut niveau, on est soumis à pas mal de pression. Et si on sort que dans la spirale négative, on s'en sortira jamais. ouais, c'est sûr. Donc croire en soi et voir le côté positif. Ouais, c'est ça. Je pense c'est vraiment croire en soi et voir le côté positif. Et puis se dire que bah, si ça devait pas arriver, Ça serait pas arrivé. voilà. Donc pour en arriver là, tu as dû faire des sacrifices. Est-ce que tu en as en tête des sacrifices que tu as dû faire en fait quotidiennement ou que tu en fais toujours? Donc ça, pour certaines personnes, ça va être des sacrifices, mais peut-être pour toi, c'est devenu une habitude. Donc par exemple, la façon déjà comment tu manges, les sorties évidemment, quand on est athlète de haut niveau, on ne peut pas se permettre de sortir tous les week-ends, ce genre de choses. Après, je dirais pas que c'est des sacrifices, c'est plus chaque boulot a sa contrainte. Et bien sûr, bah, sportif de haut niveau, les week-ends où les gens, où tout le monde est en repos, où on peut voir sa famille, souvent, bah, nous, on travaille. Je le prends pas comme un sacrifice. Je me dis, c'est le boulot, c'est comme ça, c'est une contrainte. C'est largement surmontable. C'est un changement dans la vie, mais c'est pas terrible, on va dire. C'est pas Ouais, terrible du tout. d'accord. Donc on va dire que ces sacrifices, le rugby et le fait de jouer tous les week-ends, ils valent le coup, quoi. Donc Ah, pff, ils largement. sont... Ouais, ils valent largement le coup. Enfin, quand on regarde les personnes et qu'ils nous disent ah, c'est trop bien ce que vous faites. Je me rappelle, on était parti manger avec quelques joueurs et les commerçants me disaient oh, les gars, faut gagner vraiment parce que tout le monde est content, tout le monde parle de rugby. Il y a une effervescence dans la vie grâce à vous, dans la ville, pardon, grâce à vous. C'est trop bien, quoi. Et on se dit, bah, c'est même mon parrain qui me l'a fait remarquer. Et il m'avait dit, je sais pas si tu te rends compte, mais des fois, enfin, c'est pas des fois, c'est quand vous jouez, vous procurez du bonheur aux gens. C'est ça. Et je pense que directement, on se le rend pas compte. Et quand on regarde des fois les enfants qui nous regardent ou qui demandent juste des photos, ou on leur fait un autographe, on voit un sourire qui monte jusqu'aux oreilles, et on se dit, ah oui, au final, ça vaut mais Ouais, ça vaut largement le le coup coup, quoi. de ne pas sortir le week-end. Ah C'est pas ouais, grave. c'est ça, c'est rien de grave, quoi. On a toute la vie après pour le rattraper. Du coup, si on parle un peu de ta motivation, est-ce que ça, bah déjà, je pense que ça fait aussi partie de ta motivation. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que... Tous les jours, tu te réveilles et tu te dis, bon, allez, aujourd'hui, entraînement, on va aller la chercher et on va continuer à progresser. Bah, parce que personnellement, je me dis, ça y est, j'ai réussi à jouer, j'arrive à jouer en Pro D2 et il faut que je vise enfin, faut que je me mette d'autres objectifs qui sont plus élevés, c'est le top 14. Et ça, bah, c'est une source de motivation. Et puis j'ai aussi ma famille qui est relativement fière de moi et je me dis, bah, ils sont fiers de toi et ne les déçois pas, quoi. Donc, des fois c'est dur, des fois c'est très très dur. Je me lève, je me dis, putain, j'aimerais que ça se calme un peu, mais je repense à d'autres trucs, enfin, je repense à ça et je me dis, allez. Allez, Vas-y, c'est c'est parti, on reparti. continue C'est là, ça, on c'est ça. continue. Donc des fois, comme tu dis, tu as des doutes. Pourquoi tu fais ça, ce genre de choses? Est-ce que des fois, tu as eu le sentiment où tu avais loupé des choses, ou je sais pas, des anniversaires, des événements, des sorties avec des copains, comme on en a parlé, ou ce genre de choses, ou d'autres événements où ça t'est jamais Si. passé par la tête? Non, parce que je me dis, c'est ton boulot. C'est tes contraintes du boulot. C'est comme ça, mais une carrière de sportif professionnel, c'est très court. Et donc, tout ce que tu peux prendre, tu le prends, parce qu'à un moment donné, ça va s'arrêter, ça s'arrête brutalement. Et tu pourras pas dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça, je serais pas allé à cet anniversaire, mais je serais resté au rugby. C'est ça. C'est
tu profites du moment présent et après, il y a toute ta vie encore derrière C'est vrai. toi pour avoir des anniversaires, des mariages et ci et ça. Coup, maintenant, tu fais que du rugby, donc t'es à 100% dans le rugby. Pas de petit job à côté, rien. Tu peux complètement vivre du rugby. Ouais, depuis qu'on est passé professionnel, la ligue instaure que les joueurs soient sous contrat professionnel. Donc ça fait maintenant 3 ans qu'on est en pro, ça fait 3 ans que je suis sous contrat pro et que j'arrive à vivre avec. C'est parfait et félicitations à toi. Ouais, bah merci, c'est gentil. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu du coup une journée type, l'entraînement, le matin, après-midi, une fois, deux fois, musculation, comment ça se passe à peu près? Alors souvent en fonctionnant en matinée, on fait du ouais, 8h ou 9h et on finit soit à midi, soit à 13h. Donc on commence par une réunion générale avec toute l'équipe. Voilà, on souvent débriefe le match, ils nous présentent la semaine. Après on est séparés entre les avants d'un côté, les trois quarts, moi je fais partie des avants. Et soit on a une vidéo qui va durer peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, soit on a muscu. Et vice-versa. Quand nous on a vidéo, les trois quarts en OK. muscu. Et quand nous on a muscu, les trois quarts en vidéo. Après, il y a l'entraînement séparé. Donc ce qu'on a vu en vidéo et tout, on le fait sur le terrain. Ça veut dire que les avants s'entraînent d'un côté, les trois quarts de l'autre. Ça doit durer 20 minutes, 20-30 minutes. Et après, on a l'entraînement collectif, où là, du coup, les avants et les trois quarts sont mélangés. Et ça dure 40 minutes, plus aussi, enfin quand ça dure 40 minutes, avec le physique aussi D'accord, qui est enfin, intégré. ouais, qui est intégré aussi en fin d'entraînement. C'est une journée, ouais, si, c'est plus une, ouais, c'est une journée type ça. Et du coup, après, récup. Après, quand on finit, ouais, ça récup. Récup, On ok. est, c'est soit on peut aller à la piscine, comme on peut rester chez soi, direct après l'entraînement, il y a des bacs d'eau glacée. D'accord. Donc on va dedans et puis après c'est propre à nous-mêmes. D'accord. Il y en a qui font le protocole de récup hyper bien, Ouais. d'autres un peu moins et d'autres on le Ouais. fait pas. Enfin, Après, t'écoutes ton corps et ouais tu décides un peu. c'est ça, tu décides un peu comment tu récupères ça. Je sais que je suis pas un exemple sur la récup, mais ouais, si tu fais un peu comme tu as À envie. ta sauce. Ouais, Comme ça on peut-être dirait. que cette année ça, je pense que cette année ça sera un peu plus drivé, je pense. Ouais. D'accord. On a parlé un peu des sacrifices et ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une fois où tu t'es dit c'est bon le rugby, terminé, c'est Ah, je vais bon, plus en j'en entendre ai. parler. Ouais. Non, j'ai pas eu cette sensation de me dire, ça y est, le rugby, stop, Ouais. j'arrête, quoi, c'est fini. J'ai pas eu cette sensation. Je pense que ça m'a déjà traversé l'esprit, mais on repense à tout ce que ça nous procure. Réussi. Et on se dit, voilà, t'es en train de craquer, qu'est-ce que t'es en train de penser, quoi. Non, 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 ça a dû me traverser l'esprit, mais pas peut-être 1 ou 2 secondes, quoi. Si on peut parler de ton enfance, ton adolescence ou même aujourd'hui, est-ce que tu aurais quelques noms en fait qui t'ont inspiré, Ouais. que ça peut être dans le rugby ou ça peut être n'importe qui Je sais que j'aimais beaucoup le joueur Dimitri Zarzeski. C'était vraiment. C'est un joueur que j'adorais. Il y avait Charles Kubritz aussi, D'accord. vraiment j'adulais. Après Thierry du Sautoir, je pense que beaucoup de Ouais. rugbymen l'ont adulé. Il y avait Teddy Riner aussi, c'est un autre sport, mais D'accord, Teddy ouais. Riner, enfin, c'est un athlète vraiment, je me dis, c'est lui le king, Ouais. vraiment, et il se remet tout le temps en question, C'est et il vrai. progresse tout le temps, il est toujours au top de sa forme, et je pense que lui, c'est vraiment un exemple, C'est vraiment, vrai. vraiment un exemple. Donc c'est quelqu'un, ouais, que tu regardes de haut. Ah ouais, vraiment, lui, je pense que si je le croise dans un de ces cas, je me dis, putain, c'est Teddy Riner, quoi. Ouais. C'est un mec qui pèse, quoi. Il est, de tout ce qu'il a fait, enfin, tout ce qu'il fait, c'est énorme. C'est vraiment un athlète que j'aime Oh énormément. non, c'est vrai. Ouais. T'aurais une citation ou un proverbe, je sais pas, peut-être que tu te répètes des fois de temps en temps. Non, pas forcément. Quand c'est un peu dans. Ouais, je suis un peu dans les moments durs, je me dis, allez, repars. Ouais. Repart. Voilà. D'accord. Propre à toi-même. Ouais, c'est ça. Je me dis, allez, repart. Et j'ai souvent tendance à taper dans le mur. Ouais, Voilà. voilà, une petite C'est. motivation un Ouais, c'est peu ça. de. Allez, repart. Donc maintenant, comme tu disais, tu es professionnel depuis 3 ans, donc des fois ça t'arrive de croiser des jeunes qui te demandent des photos. Est-ce que tu te sens comme un exemple?
D'un côté, par exemple, bah, sur le terrain, ce genre de choses, ou même à l'entraînement, ou enfin, quand tu es en soirée, ce genre de choses. Est-ce que tu te sens comme un exemple maintenant, le fait d'avoir été professionnel? Non, je pas un exemple, je pense pas me sentir comme un exemple. Je me sens un peu observé, enfin, comme tout sportif de haut niveau, mais pas forcément un exemple parce que je pars du principe que j'ai pas forcément fait de grandes choses, quoi. Enfin, je vis une très belle aventure avec le RCV. On a vécu une saison énorme quand on est monté, mais non, je fais pas partie des exemples, je pense pas. Peut-être dans le futur, tu penses que tu aimerais bien rester dans le rugby ou tu aimerais bien, je sais pas, utiliser le fait que tu as été professionnel pour faire parler du rugby ou pour le faire grandir ou ce genre de choses? Pour l'avenir, pour le moment, je suis plus tourné vers une autre orientation professionnelle. Après, enfin, je sais pas ce qui se passera. Ouais, j'ai 26, je vais sur mes 27. J'ai un petit projet en tête. Et après, je suis jamais à l'abri qu'on vienne me voir et qu'on me dise, bah, tiens, on a une opportunité pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un truc que j'étudierai, je verrai. Donc, D'accord. pour le moment, je ne dis pas que je suis dans le flou, loin de là. J'ai un projet et on verra comment ça se ficelait, quoi. Tu peux nous parler un peu de ce projet ou... J'aimerais bien être prothésiste dentaire. D'accord. Voilà. Donc, vu que j'ai fait du rugby, je sais que j'ai des connaissances et pour les protège-dents, on a besoin de prothésistes. Je me dis que ça pourrait m'ouvrir un marché. D'accord. Après, est-ce que je deviendrai, on Oui. verra, mais c'est un projet que D'accord. j'aimerais bien faire. Ouais. Intéressant, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que le rugby a, comment le rugby a impacté ta vie en fait? Le fait de faire du sport tous les jours et de jouer au rugby, d'être en équipe, de faire les déplacements, ce genre de choses. Comment, si tu regardes un peu ta carrière, comment ça a impacté ta vie et te dire, ah bah si j'avais pas fait de rugby, j'aurais été complètement différent ou... Bah, j'ai rencontré des personnes qui sont devenues de très très bons amis. Et ça, je pense, bah, sans le rugby, je ne les aurais pas découvert. Et vivre en communauté aussi, enfin, on travaille ensemble, je crois, plus de 38 semaines, tout le Sur groupe. l'année. Ouais. Et il y a une notion de partage que je pense que j'aurais peut-être. Enfin, je dis pas que je garde tout le temps tout pour moi. Mais une notion de partage où on se dit, ok, je vais pas très bien aujourd'hui, mais j'ai pas envie d'influencer les Les joueurs, collègues, ouais. les collègues qui sont autour de moi. Donc on se dit, bah, quand j'y suis, au début j'avais du mal à le faire. Quand j'avais vraiment la tête sous l'eau, j'arrivais à L'entraînement, ouais. l'entraînement, je faisais un peu la tête. Et au fil de la saison, hop, je me suis dit, bah, on vit en communauté, tu peux pas te permettre de. T'as tes sentiments à la maison, t'as tes sentiments ici. Voilà, ça, je pense que ça m'a fait évoluer sur ça. Et du coup, si tu pouvais donner un conseil ou plusieurs aux personnes qui nous regardent sur comment en fait arriver à ses rêves, on va dire, ou ses objectifs, quel serait ton conseil ou tes conseils? Bah, je pense qu'il faut rester dans l'idée où tout est possible et faut jamais refermer les portes. Voilà, qu'on soit professionnel, c'est super bien, mais je pense surtout que c'est une chance. Il n'y a pas vraiment de formation comme à l'école. Si C'est tu veux ça. devenir médecin, tu te dis, bah, tout le monde peut, enfin, tout le monde, plus ou moins, on peut devenir médecin. Là, il y a une part de chance. Donc, il faut croire en ce qu'on fait. Il faut toujours être déterminé, même si des fois on va nous casser, on va dire, c'est impossible, t'es pas fait pour ça. Faut se dire, tout est possible. Après, si on n'y arrive pas, c'est pas une fin en soi. Je sais pas, du rugby, du foot, du hand, il y en a partout en France. Et si ça marche pas en France, il y a toujours des opportunités à l'étranger. Donc, il faut rester déterminé, la tête sur les épaules et faire les bons choix. Continuer à travailler. Et continuer à travailler, C'est bien ça. sûr. D'accord, bah merci, c'est super intéressant. Si jamais plusieurs personnes ou quelques personnes auraient des questions à te poser ou aimeraient te contacter, est-il possible de le faire et comment? Ouais, c'est possible de le faire. Après, je pense que j'aurais pas assez de recul vraiment pour tout le temps trouver des réponses.
mais j'essaierai de le faire au maximum. Sur Instagram, on m'envoie un message. J'essaie souvent de regarder ma boîte sur Instagram. Et puis, de toute façon, maintenant, on est notifié dès qu'on reçoit un message. Et je leur répondrai avec plaisir. D'accord, ça marche. Bah, merci Leroy pour être venu et pour avoir partagé ton histoire. Ah, bah merci, plaisir Merci. de partager. Ouais. Thank you for watching and thank you to Leroy for this very interesting interview. Now, if you want to get in contact with Leroy or simply just follow him, you can find all the links to his social media accounts in the description below. Also, thank you to the Villa Carasi in Van that let us do the interview there. If you want to know more about them, the link is in the description. If you like this video and you want to see more videos like this, don't forget to subscribe to our channel and to follow us on Instagram for the latest updates. We see you soon for the next interview.